Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre discussion avec un expert, volet 2 de la réorientation professionnelle qui est vraiment un sujet extrêmement chaud. Donc, j'ai eu ma première invitée, Amy Andraus, la semaine passée et cette semaine, j'ai Dominique Morels qui est direct de Belgique. Alors, ma première invitée internationale, c'est pas rien. Bonjour Dominique. Bonjour Marc. Ça va bien. Écoute Dominique, je t'ai trouvé, d'ailleurs on s'est dit qu'on allait se tutoyer, là, donc juste pour que oui, les gens tout soient à bien. Fait. Je t'ai trouvé suite, d'abord je voulais parler de ce sujet-là que je sais qu'il part tant de COVID, il y a beaucoup de monde qui sont justement à soit une réorientation ou autre. Puis j'ai fait une recherche dans LinkedIn d'abord sous réorientation professionnelle et à ma grande surprise, il y avait peu de monde qui était sorti très très haut. Donc toi et ton entreprise, et je trouvais ça drôle parce que je suis quand même très actif sur LinkedIn Québec. Et soudainement, c'est quelqu'un en Belgique qui est sorti. Donc ça, je voulais juste pour l'anecdote faire en sorte que ça ne court pas les rues tant que ça, l'idée de la réorientation. On entend parler d'orientation professionnelle, réorientation, ça, je trouve ça très cool, mais à quelque part, c'est peut-être la même chose, tu vas nous démêler ça. Donc dans un premier temps, Dominique, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises ton parcours, etc. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé et spécialisé dans ce domaine-là, puis après, on ira avec mes autres questions. Mais écoute, en fait, je peux dire que mon orientation ou mon choix ou mon activité professionnelle, eh bien, elle a commencé à 15 ans parce que j'ai travaillé à la caisse d'un supermarché. Et donc, après ça, je me suis dit, je ne vais pas rester dans ce trip et je veux arriver à faire un job qui m'épanouisse. Donc, je suis sortie d'une école de commerce et je me suis orientée dans le marketing management de sociétés multinationales de 4-5 dans l'agroalimentaire. Ma première orientation professionnelle, on va voir après, ça a été à mes 36 ans, tout à fait. Et puis, donc là, c'était une question d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Ma deuxième orientation professionnelle a été un licenciement à 44 ans et donc j'ai décidé pour une question de liberté, d'épanouissement, d'équilibre également entre ma vie privée et professionnelle, de créer une société avec donc un associé dans les études marketing. Alors, comment se fait-il que j'ai atterri en coaching? Car j'ai à mes 50 ans, décidé de me réorienter dans l'humain. Et donc, j'ai suivi l'école de coaching certifiée ICF. Au Québec, vous connaissez très, très bien ICF, puisqu'il oui. a deux grandes organisations au niveau mondial. Et donc, mon expérience de plus de 30 ans en entreprise m'a fait profiter d'aller dans le coaching en entreprise. Et donc, j'ai coaché dans des grosses sociétés, toujours du business coaching. Et donc, à un moment, j'ai ouvert mon cabinet à mon privé. Voilà. Super. C'est très bon. Super intéressant. Ceci étant dit, on va commencer avec un peu de théorie, si tu veux bien. C'est-à-dire oui. que tu m'as mis la puce à l'oreille à l'effet que tu as une analyse, toi, de la situation actuelle du marché du travail et de son implication sur les gens qui sont peut-être moins dans des parcours linéaires puis qui songent en plus grand nombre ou autres à se réorienter. Mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir ta lecture de qu'est-ce qui se passe actuellement dans les mouvements du marché du travail du côté des employés. Et c'est ce que je te disais, Marc, il y a quelques minutes. Il faut aborder la réorientation professionnelle dans le cadre du mouvement du monde du travail. Alors, je crois que ce n'est pas à toi que je dois le dire, ni à beaucoup de gens. Le monde du travail est en pleine ébullition. Bon, il y a d'abord les nouvelles technologies, bon, ben oui, mais il y a aussi l'avènement de l'intelligence artificielle, de l'IA. Alors, c'est vrai que quand on voit tout ça, ben, il y a des pertes d'emploi par centaines, par milliers, par des dizaines de milliers. C'est vrai que quand on voit, il y a dans les grosses sociétés actuelles, ça doit être au Québec aussi, tu as l'implémentation des chatbots qui prennent toute une partie du job du service commercial, de la prise en charge de clients. Il y a également donc une communication où tout doit se faire en temps réel. Bon, le changement du travail, du monde du travail, ben, c'est lié aussi au COVID avec la partie télétravail.
Bon, c'est vrai que tout ça fait que ben, ce travail est en ébullition. Je sais que tu m'as demandé de donner des cas, mais voilà un cas, en tout cas en Europe, il y a le cas de Danone qui vient d'être annoncé. Il licencie 2000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même plus de comité de direction dans les pays. Donc, le comité de direction est ben, sur l'ensemble des pays européens et il n'y a plus que ben, le management local, le management national. Donc, effectivement, il y a des niveaux hiérarchiques aussi qui disparaissent. Donc, tout ça fait que tout ce monde change. Et puis, il y a aussi la recherche de talent, la recherche de la mobilité. Et en fait, il y a une étude McKinsey qui est passée, qui est parue il y a, dans 2018-2019, qui montrait que justement, avec l'évolution du travail, c'est le quatrième partie de la quatrième évolution drastique du travail, ils estiment que 20%, c'est-à-dire une personne sur cinq, dans l'étude qu'ils ont fait, ils ont pris, là j'avais un petit peu lu, sur 375 millions, ils estiment que 75 millions, le nombre d'individus qui auront besoin ou qui devront changer de catégorie de métier et qui devront dès lors acquérir également des nouvelles compétences. Et c'est vrai qu'actuellement, quand moi je suis rentrée sur le marché du travail, c'était les sociétés, ces multinationales qui m'ont formée et j'ai évolué, tandis qu'actuellement, même des jeunes qui commencent, il faut régulièrement qu'ils passent des examens pour pouvoir être au goût, entre guillemets, du jour et suivre l'évolution de la société. Voilà, ça c'était un petit peu le cas. Donc c'est vrai, Marc, la réorientation professionnelle doit s'inscrire dans ce monde en mouvement. Voilà. Bon, en un mot, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont concernés par ça que simplement avant, ou est-ce que je suppose qu'avant, on le faisait pour des questions personnelles? Non, ce n'était pas que ça. C'était avant, oui, ça pouvait être des questions personnelles, mais tout dépend de avant. Quand est-ce que tu parles d'avant? Quand moi, je suis rentrée encore dans le monde du travail, énormément, une grosse partie des gens faisaient toute leur carrière dans une société qui leur donnait ce qu'il faut à l'individu, c'est-à-dire la reconnaissance, l'évolution salariale, la valorisation, et la personne ne voyait pas les raisons pour lesquelles elle devait changer. Mais c'est vrai que la génération X, la génération Y n'ont pas du tout ces mêmes concessions. Le management a également changé, Marc. C'est un management beaucoup plus collégial, beaucoup plus collectif. Les philosophies de travail ont changé. Beaucoup en Belgique, en tout cas, travaillent, je parle quand même des grosses boîtes, pas des toutes petites, mais sur la philosophie agile. Donc, c'est, on travaille en groupe, il n'y a pas, et on rapporte les résultats régulièrement à la direction pour voir si ça fonctionne. Donc, c'est une autre manière aussi de travailler. L'individualisme au travail également a changé. Les gens, donc, voilà, pour répondre à ta question, de mon temps, on devait travailler de telle à telle heure. Il n'y avait pas de souplesse, il n'y avait pas de flexibilité du travail. Il n'y avait pas de temps partiel qui était possible au début de ma carrière. Donc, à la lumière de ça, c'est-à-dire des changements importants qui font que de plus en plus de monde vont être concernés par une réorientation, tombons dans le concret, donc parlons à ton expérience, et à ton expertise, si quelqu'un nous écoute au moment où on se parle puis qui se demande est-ce qu'il devrait songer à blablabla, c'est quoi les raisons que tu as vues qui poussent les gens, en dehors des raisons externes, c'est-à-dire, par exemple, tes mises à pied, c'est quoi les raisons chez les gens qui… Moi, je veux plus qu'on s'adresse aux gens qui songent à le faire, qui n'ont pas, l'obligation de le faire. Mais alors, moi, je trouve que tout dépend de l'âge, tout dépend du type de société, tout dépend de la philosophie du management, même dans une petite société.
mais on constate de plus en plus qu'il y a une perte de lien social, une vision, cette vision très individualisme. Il y a une perte de sens au travail. Alors, c'est vrai, si on regarde la pyramide de Maslow, c'est les besoins primaires, c'est le besoin de se nourrir, de dormir. Et puis, il a le besoin de sécurité. Mais déjà, à l'heure actuelle, les sociétés qui ferment, qui délocalisent, qui licencient, ben, déjà, l'individu n'est plus sécurisé. L'individu a besoin. Donc, ça, c'est une des raisons. Mais également, il y a aussi après tout ce qui est rassurance, tout ce qui est valorisation. L'individu doit se sentir épaulé, doit être valorisé par son travail, doit sentir l'appartenance à la société. Et ça, c'est aussi dans cette pyramide, avant d'être épanoui, là où ça bloque au niveau des personnes. Donc, vous savez, cette perte de sens, il y a des gens qui écrivent sur cette perte de sens et qui nomment, il y a un nouveau concept, peut-être il n'est pas si nouveau, mais je l'ai découvert il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle les « bullshit jobs ». C'est vraiment les jobs qui ont perdu le sens pour l'individu. Et donc, ça veut dire que c'est une expression évidemment anglaise qui caractérise des tâches faites par le collaborateur qui sont dépourvues de sens. Et donc, ça veut dire que c'est une démission intérieure. C'est vrai, moi, je vois comme ça en coaching des gens qui me disent, on me demande de faire un PowerPoint. Et puis, la première fois que je le fais, je suis tout fière, je le présente, etc. Et puis, la 10e fois que je fais un PowerPoint, les gens viennent, arrivent en retard, n'écoutent pas, font autre chose, etc. Et la personne, le collaborateur, se demande, mais qu'est-ce que je fais pour passer 3 jours à faire une présentation dont personne, entre-temps, la stratégie change, entre-temps, c'est plus d'actualité. Donc, c'est cette perte de sens qui amène au burn-out. Donc, le fait de s'ennuyer, une autre des raisons pour répondre à ta question, Marc, c'est l'inverse. C'est la pression du travail où l'individu, il y a un lien entre le corps et l'esprit. L'individu ne s'y retrouve plus, ne voit plus ses priorités, a le nez sur le guidon. Et c'est comme ça qu'on a un nombre très, très important de gens qui font des burn-out. Donc, il y a... Oui, je t'écoute. Oui, quelle est, OK, là on comprend bien les raisons, si tu veux, qui poussent peut-être quelqu'un à avoir un malaise dans son travail. Oui. Parfait. C'est quoi les raisons que toi, tu juges qui sont les bonnes pour amorcer, je dis bien juste amorcer une démarche de réorientation versus des raisons qui pourraient être des raisons qui n'en sont pas, c'est-à-dire qui sont des raisons de fuite vers en avant, par exemple? Donc, écoute, pour moi, c'est des raisons de mal-être et c'est des raisons... pour moi, il faut différencier ce qui est de l'être de la personne et ce qui est du faire. Donc, des raisons comme des raisons matérielles, des raisons d'ennui dans le travail, des raisons de réorientation parce qu'on change de localisation, parce qu'on va habiter autre part, parce qu'on veut plus de souplesse pour avoir un équilibre avec sa vie professionnelle. Ça, pour moi, sont des raisons. Il n'y a pas des raisons qui sont, pour moi, plus importantes que l'autre. Okay. Il y a une réorientation, pour moi, qui peut être sur une échelle de 1 à 10, une petite réorientation comme quelque chose, tu vois, à 180 degrés sur l'échelle de 10, qui peut être beaucoup plus une réorientation plus conséquente pour la personne. Pour moi, une réorientation peut également être envisagée comme, je dirais, une nouvelle direction de sa fonction. Mais ça peut très bien se faire dans la société même, en changeant de département, en changeant de type de fonction ou de manière de travailler. Mais ça peut également être un changement de société, mais tout en faisant le même job. Donc, c'est une réorientation professionnelle
c'est compris parce que ben, je vais avoir une autre manière de travailler, des autres guidelines, un autre type de philosophie de société. Donc, c'est se réorienter aussi professionnellement parce que je peux passer d'une très grosse société à une toute petite. Donc, pour moi, la réorientation, elle est très souple, mais elle fait quand même une forte différence avec une reconversion professionnelle. Ouais, je comprends bien la différence. Voilà, la reconversion, c'est le numéro 10, là, sur mon échelle de 1 à 10, c'est le numéro 10. C'est un changement de métier qui, la plupart du temps, nécessite d'autres compétences, nécessite des formations. Mais la reconversion, pour moi, c'est simplement une nouvelle direction à sa vie professionnelle. Maintenant, je vais poser une question. Ici, au Québec, on appelle ça les questions à 1000 piastres. C'est-à-dire, c'est une question qui est genre très névralgique. Attends, je n'ai pas bien saisi. Une question? J'ai dit, ici au Québec, ce que je vais te poser comme question, on appelle ça la question à 1000 piastres, à 1000 $. C'est-à-dire, c'est la question qui fait comme balancer entre le oui et le non. Là, tu sais? Ça fait que je suis très curieux de t'entendre. Oui. Quand est-ce que, selon tes conseils, selon ton expérience, quand est-ce qu'on est face à une situation où on gagne à avoir, entre guillemets, le courage de faire un changement? Je vais appeler ça changement parce que j'aime bien ta différence entre reconversion et un changement plus profond. Là. Quand est-ce qu'il faut faire un changement, soit de carrière, de métier, de société, etc.? Puis quand est-ce que le signal qu'on reçoit, c'est qu'on devrait augmenter notre degré d'adaptabilité à notre réalité? Alors, Marc, je vais d'abord prendre la première partie de ta question parce que la deuxième est quand même un peu fondamentalement différente. Donc, il n'y a pas de règles en la matière. Il n'y a pas de règles. Vous allez avoir une personne qui travaille, qui est de la génération Y, ses raisons, enfin, ce basculement va être différent d'une personne de 50 ans. Je dirais que pour moi, le principal, c'est la motivation de la personne à vouloir basculer. Du coup, il y a la procrastination de l'individu et très courant pour plein de choses. Et qu'est-ce qu'on entend? Et moi, je vais changer de boulot, et moi, je vais faire ci, et la personne ne fait rien. Donc, oui. Quelque part, si on est là-dedans et que la personne ne fait rien, voilà. Donc, il n'y a pas. Mais si la personne a cette volonté et cette motivation, pour moi, l'élément principal d'une reconversion, c'est l'élément de motivation. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu totalement au premier à ta question. Volet, oui. Puis, OK, parfait. Maintenant, tombons à l'autre volet, parce que dans le fond, c'est vrai que c'est deux questions. Oui, attends, c'est bien. Vas-y. Oui, j'ai peut-être encore quelque chose à dire. Donc, ce moteur de vouloir changer, mais les freins pour changer dépendent tout à fait de l'individu et peut être complètement différent. Pour quelqu'un, ça peut être vraiment le financier, mais je veux dire, d'autres, c'est une situation professionnelle qui devient intenable, d'autres, c'est une situation familiale. Donc, quelque part, ce sont vraiment les freins et les moteurs. La personne doit être motivée, doit le vouloir. Mais il faut qu'elle prenne conscience que c'est très énergivore, c'est très chronophage. Et donc, en fonction de quel type de réorientation, il faut bien mettre ça en balance. Oui, là, je comprends très bien, exactement. Est-ce que tu peux témoigner de certaines personnes qui ont eu, selon toi, des hésitations à faire une réorientation et que toi, tu n'étais peut-être pas placé pour le dire, mais que tu considérais que ces gens-là étaient juste en train d'avoir peur au prix à payer, mais que quand tu les écoutais, tu disais « cette personne-là devrait foncer », mais ils ne l'ont pas fait. Alors, j'ai le cas d'un exemple de coaching en entreprise qui m'a fort touchée. C'est une personne à la quarantaine qui a eu chaque fois des promotions parce qu'elle était, entre guillemets, la moins mauvaise. Et donc, dans ce département-là,
Mais la société, avec les années, c'est son premier boulot, rentré très jeune. Et évidemment, tout ce département, qui est un département de customer care, donc de prise en charge de clients, tout ça a changé, il a gonflé, etc. Et en fait, cette personne, j'ai été coach, il dirigeait un département. Et en fait, on ne peut pas dire en coaching, il faut. Donc, c'est une prise de conscience que la personne doit avoir. C'est un questionnement puissant qui dégage des prises de conscience. La personne le fait ou la fait pas. Mais la personne le savait qu'elle devait partir. Mais vu son ancienneté, vu sa situation financière, affective et autre, elle a essayé de tout faire. Mais la personne, elle était tellement mal que ça a commencé à... La personne a carrément décortiqué quelque chose dans l'ordinateur pour faire croire qu'elle envoyait des mails à 7 heures du matin, wow, le dimanche soir, pour changer, etc. Et à un moment, ben, ça a été trop pour l'individu. Et la personne, ben, elle est tombée en burn-out ou elle n'est en tout cas plus venue du tout et elle a été licenciée. Donc, c'est des cas où elle savait depuis des années qu'elle devait bouger parce qu'elle elle n'était plus adaptée à ce qu'on lui demandait. Mais bon, je ne sais pas, voilà, si j'ai l'exemple par le... Oui, oui, oui. Dans le sens que, manifestement, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu racontes, c'est que les motivations en question... Je vais te parler de mon cas personnel, OK? Parce que ça a directement rapport. Moi, oui, j'ai réalisé, à l'âge de 33 ans, que j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup et aisément. Donc, en un mot, on pourrait dire, « Ah, mon Dieu, quelle belle qualité, t'es à l'aise avec le changement. » Oui et non. Oui, je suis à l'aise avec le changement, mais jusqu'à l'âge de 33 ans, où il y a eu un événement qui m'a fait changer littéralement de façon de voir... J'étais beaucoup plus quelqu'un qui se définissait par une fuite. C'est-à-dire que quand j'étais mal à l'aise dans une job, donc avec les relations du travail, parce que 80% d'une job, c'est les relations de travail qu'on a là, je pense, mais je fuyais. Mon système, ce n'était pas de régler le problème. Mon système, c'était aussitôt qu'il y avait un malaise, c'était de regarder une porte de sortie. Donc, c'est là-dessus que je veux t'entendre puis que je veux que tu rebondisses. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous regardent qui se disent hey, « j'aimerais vraiment changer de travail ». C'est pour ça que je trouve qu'il faut faire une différence entre la motivation réelle et pertinente de changer, de se réorienter, puis la motivation juste de fuir une situation qu'on pourrait régler, mais par attitude interne, on ne le fait pas. Qu'est-ce que ça te sonne comme cloche quand je te raconte ça? Mais ça sonne comme cloche qu'il y a des personnes qui sont des fuyants et qui n'ont pas ce leadership, ce charisme, d'oser affronter parce qu'il y a la peur. L'individu vit avec quatre émotions de base. Dans les quatre émotions de base, il y a des dérivés. Par exemple, on parle là réorientation égale changement. Donc, peur du changement. Donc, ici, il y a la peur. Mais la peur peut être une simple petite crainte, mais la peur peut être l'anxiété. Et donc, partant d'un postulat qu'on a devant soi, une personne qui a une anxiété, ça va être beaucoup plus difficile pour cette personne-là de se réorienter que quelqu'un d'autre qui a affronté dans sa vie antérieure mille et une choses. Donc, c'est un petit peu ça. Tout dépend du profil... de la personnalité de la personne. Même si la personne a la volonté, la motivation et a le cran de changer, cette personne-là, elle peut encore changer, se réorienter, pas de la même façon que quelqu'un qui a la même personnalité, le même leadership, la même volonté. Si c'est une personne qui est contrôlante, elle va vouloir contrôler. Donc, le temps de réorientation va être beaucoup plus long qu'une personne, parce qu'elle va devoir tout verrouiller, qu'une personne qui est fonceur. Je suis dans le dépêche-toi, je veux avoir mes résultats, j'ai toujours été comme ça, j'ai une bonne estime de soi, j'ai une bonne confiance en moi et j'y vais. L'estime de soi et la confiance en soi jouent tous deux un rôle très important dans la réorientation.
C'est super intéressant parce que là, on est vraiment, je trouve, dans le nœud de qu'est-ce qui fait qu'on y va, puis de quelle façon, etc. Donc, oui. Justement, parlons-en. Je suis, mettons, dans un travail, OK, je te fais une mise en situation assez précise. Je suis dans un travail qui ne me stimule plus comme avant, ou peut-être que je suis en train de réaliser ça. Donc, je ne suis pas décidé, je ne suis pas à bout, je m'entends quand même bien avec mes collègues. Comprends-tu? Pas une situation de crise, je ne veux pas qu'on aille là. Je suis dans une situation où je me demande s'il y a quelque part, je suis-tu en train de m'enliser dans quelque chose ou est-ce que je vais finalement me résigner, c'est le grand mot pour moi, ou je devrais en profiter maintenant pour faire quelque chose peut-être que j'ai toujours eu envie de. C'est quoi la toute première étape que tu suggères à quelqu'un qui est en train de se demander s'il ne devrait pas, il n'est même pas encore décidé, mais il veut explorer l'avenue. Qu'est-ce que tu lui suggères de faire comme premier étape? Déjà, ce que je trouve très bien, Marc, c'est que cette personne a des prises de conscience et qu'elle peut mettre des mots. Voilà, je m'enlise, comme tu dis, finalement, je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. J'ai la patate chaude, est-ce que je la renvoie à Marc ou pas? Eh bien, si c'est comme ça, cette patate chaude, il faut que la personne d'abord fasse vraiment, sache quelles sont les raisons pour lesquelles elle veut changer. OK, Marc, tu vas me dire, les raisons, c'est je m'ennuie, je m'enlise. Mais il y a, dans ces raisons, je m'ennuie, on peut entendre d'autres choses. Si oui. Je m'ennuie, qu'est-ce que je voudrais à la place pour ne pas m'ennuyer? Qu'est-ce que je suis prête à mettre en œuvre pour changer ça? Donc, c'est tout un questionnement. Donc, c'est la première étape pour moi, c'est d'essayer de creuser plus loin. C'est en fait une démarche qui devrait être structurée. Alors, il y a des gens qui sont capables de faire ces démarches structurées, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, pour moi, la meilleure manière pour répondre à ta question, c'est d'entamer une démarche structurée pour procéder à ce clivage, j'y vais ou j'y vais pas. Alors, il y a des gens pour peu d'argent qui, c'est quand même, il y a plein de bilans de compétences. Ces bilans de compétences peuvent être faits sur la personnalité comme sur les compétences de métier. Comme professionnel. Donc, voilà, déjà ça pour voir comment on se situe. Et ça peut même se faire via le web en tapant, en payant avec sa carte de crédit, etc. Il y a aussi, en dehors de ces compétences, il y a par exemple en cas de licenciement, mais c'est valable en Belgique, c'est, je ne sais pas, dans les autres pays, et surtout pas au Québec, Marc, il y a donc des outplacements qui existent. Il y a une loi en la matière qui oblige les sociétés sur certains profils de travailleurs d'accompagner le travailleur en outplacement et c'est la société qui paye. Bon, pour refaire le CV, pour un peu creuser quelles sont les attentes, les besoins d'un job, qu'est-ce que vous êtes prêt à entamer, qu'est-ce qui vous conviendrait, etc. Alors, il y a aussi, bon, pour... Qui fonctionne de plus en plus. C'est plus onéreux, évidemment, mais c'est l'accompagnement d'un coach, d'un business coach, d'un coach de carrière, d'un coach professionnel en entreprise. Et donc, ça, c'est une manière structurée d'avancer pas à pas et de fermer. Et donc, là, avec le coach, c'est un questionnement puissant qui va permettre la prise de conscience au coaché. Mais il n'y a jamais de la part d'un coach des réponses. C'est la personne même qui va en séance, qui, par les questions, vont prendre conscience. Et donc, à un moment, la personne, s'il y a par exemple 10 séances, peut très bien se rendre compte, à un moment, non, finalement, j'arrête et je reste où je suis dans ma société. Ouais. Je compense, finalement, si c'est de l'ennui, je reprends ce que tu m'as dit à propos de toi, je m'enlise, mais comment je peux faire alors? Parce que finalement, financièrement, matériellement, voilà, je peux peut-être plus me permettre et je vais m'épanouir
dans du sport. Je vais m'épanouir dans du bricolage. Et je vais prendre mon travail, je vais juste le faire, mais je vais mettre mes barrières et je n'ai pas envie de promotion. Donc, tout dépend des cas. Mais c'est vrai qu'une manière structurée avec des outils et du travail, parce que le collaborateur, quand il suit des séances de coaching, il est aussi obligé de travailler entre les séances. Donc, en fonction du travail qu'il fournit, on voit très bien le niveau de motivation de la personne. Super. Et puis, j'ai une question qui est juste la porte à côté, mais qui est de ce temps-là, moi, m'intéresse. J'ai même écrit sur mon LinkedIn une réflexion par rapport à ça suite à une conversation que j'ai eue avec mon neveu. Est-ce que quelqu'un qui est, non pas en processus 2, mais qui a déjà fait une démarche puis qui a un entretien d'embauche qui s'en vient, est-ce qu'il doit nécessairement démontrer une motivation extrême à aller vers le nouveau poste ou peut ouvertement dire, écoutez, monsieur, je vous le dis, je viens vous voir, je suis très content qu'on se parle, mais dans la réalité, ma décision n'est pas prise si je vais quitter mon emploi. Est-ce qu'on doit être transparent à ce moment-là ou est-ce qu'on doit feindre, genre, alors, faisons tout pour... Je vois deux éléments dans ce que tu me poses comme question. Je vois l'élément du licenciement et d'autre part, je vois l'élément de la transparence. Alors, comme tu m'en as parlé, tu m'as dit, j'aime bien qu'on donne des exemples concrets. Si tu as, toi, dans ton parcours, etc., des exemples, eh bien, partage-les. Et je te donne un exemple de motivation qui me concerne, moi, pour mon premier boulot. Sorti de l'école de commerce, à l'époque, on pouvait encore être engagé par des candidatures spontanées. L'Oréal, tu le vaux bien, etc., le maquillage, les cheveux, etc. Et j'ai été postulée, et en fait, la personne, premier entretien, « Écoutez, madame, je dois voir d'autres femmes, et vous n'êtes pas la meilleure. » Je me dis « OK. » Et en fait, elle m'a rappelé, elle m'a dit « Vous avez un tel niveau de motivation qui m'a fait vous choisir parce que vous le voulez. » Et dans la vie, moi, j'ai une croyance qui m'a toujours portée. Il y a des croyances qui limitent les gens et des croyances porteuses. C'est quand on veut quelque chose dans la vie et qu'on met tout pour y arriver, on y arrive. Peut-être pas toujours quand, comment, de la manière, peut-être, mais on y arrive. Et ça, c'est un bon exemple. Donc, pour répondre à ta question, je crois que l'élément motivationnel est un élément qui permet de se différencier d'autres candidats si on hésite entre deux. Alors, okay. Pour répondre à ta deuxième question de la transparence, il ne faut pas être trop transparent. Ça nous appartient, ce qu'on dit. Et quelque part, j'ai appris, parfois à mon dépens, parce que je suis une personne vraie authentique, que voilà, c'est vrai que souvent dans les sociétés, la politique, on vous voit, et quelque part, ce n'est pas mentir. Il faut faire une différence entre mentir et être complètement transparent de sa propre volonté, de sa propre initiative. Et là, je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas être transparent, non. Il ne faut pas en dire plus parce que ça peut justement être un frein à l'embauche, tandis que la motivation est un moteur à l'embauche. Super, très intéressant, Dominique. Écoute, en ce qui me concerne, on a fait le tour des grandes questions que je voulais passer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ton côté? Est-ce que ça peut être une invitation aux gens ou un conseil? Qu'est-ce que je voudrais ajouter? Oui, je voudrais ajouter aussi que même s'il y a des obstacles, la personne qui veut se réorienter, il y a toujours des solutions. Et peut-être il faut partir du corps business du centre pour s'élargir, éloigner. Et il ne faut pas toujours voir la réorientation à 100%. Il faut voir la réorientation où on peut la faire et de quelle manière. Et si c'est possible de se faire aider par une personne pour
pour avoir voilà, des prises de conscience et d'avoir une structure et de bien savoir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est cette notion d'âge. Moi, je vois trois profils en fonction dans la carrière professionnelle, trois moments où hop, on bascule. Il y a la génération XY, celle-là, elle ne va pas avoir beaucoup de soucis et la X qui arrive sur le marché, qui va arriver. Ce sont des gens qui font du shopping, moi j'appelle ça du shopping professionnel. On m'offre mieux à mieux, c'est mieux, il n'y a plus. Ils ont eu l'habitude, l'adaptabilité dont tu parlais. Et donc, ils n'ont pas encore de charges financières, ils n'ont pas encore d'obligations. Et donc ça, c'est pour moi une catégorie. Alors, il y a celui dont tu parles qui te correspond à toi, je m'enlisse. Est-ce que je bouge ou pas, mais j'ai les enfants, etc. Ça, c'est un autre cas de figure. Et là, il faut voir, est-ce qu'on se réoriente un peu ou beaucoup, ou qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y a la personne des 50 plus qui se font licencier, qui ont une assise parfois financière et qui veulent davantage encore trouver d'épanouissement. Fait que c'est ces trois groupes qui ont des motivations. Ces trois groupes qui ont des motivations différentes, mais qui sont appelés à faire du changement. Oui, tout à fait. Et moi, j'avais envie de dire la personne, qu'elle se renseigne, qu'elle lise, qu'elle va voir, qu'elle discute avec la famille, mais aussi avec d'autres personnes compétentes, avec des collègues, recourir à quelqu'un de professionnel comme un coach, faire simplement des bilans qui ne sont pas chers sur Internet ou avec une personne, essayer de se donner les moyens. En fait, pour se réorienter, il faut se nourrir. Et il faut se nourrir de différents éléments qui permettent alors de passer le cap. Voilà. On peut pas être plus clair. Merci. Hey, merci beaucoup, Dominique. Montréal. Merci beaucoup, Marc. J'ai été très ravie. Oui, c'est super. Ça fait que, ben, écoute, au plaisir. Puis en espérant, si les gens veulent communiquer avec toi, de toute façon, dans mon post LinkedIn, il y aura toutes tes coordonnées, comme d'habitude. Très chouette. Merci, Marc. Salut, hein. Bonne journée. Au plaisir de recroiser ton chemin professionnel à un autre moment. Merci. Bye, Marc.